appuyés par des militaires. Et ces militaires, à la base de ces militaires, il y a aussi un État étranger qui essaye de pousser les gens à ce coup d'État. C'est sous cette raison que nous manifestons aujourd'hui que notre Madagascar puisse retrouver la légalité, le retour à la constitutionnalité. Les gens qui étaient au pouvoir, votre président, Van Mal, a déjà fait des concessions pour que la paix revienne. Et vous devez remarquer que jusqu'à présent, les Madians ont toujours agi d'une façon pacifique. Ils n'ont pas pris des armes, même si les militaires interviennent, les gens l'espèrent et même se laissent arrêter, et c'est dommage. Mais il ne faut pas abuser peut-être de cette situation de Madians pour éviter qu'il y ait des réactions comme qui se passe dans d'autres pays. Ainsi, nous évitons les puissances étrangères qui essaient de soutenir ce forum autiste, de lâcher ces gens pour que la constitution revienne à Madagascar, que la paix revienne à Madagascar, les Malgaches demandent que la paix pour pouvoir vivre normalement.